Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce programme spécial. Parmi les indicateurs majeurs qui montrent le bon fonctionnement d'un État, il y a le fonctionnement de la Poste. La Poste est un élément structurant. Là où la Poste fonctionne bien, l'État fonctionne bien. Évidemment, nous sommes ici dans cette journée de la Poste que vous avez tous suivie, sur laquelle nous revenons aujourd'hui parce que nous aussi nous avons besoin d'une Poste et nous avons une Poste. Comment elle fonctionne? Est-ce qu'elle est aujourd'hui à l'image de notre pays? Est-ce que cette Poste que nous voulons, une Poste de développement, est-elle en train de suivre le bon chemin? Toutes ces questions, vous les posez et vous nous avez transmis un peu ce souci. C'est ce qui va faire aujourd'hui cette émission. Nous célébrons la fête de la Poste. J'espère que chacun de vous a quand même un code postal. Pour en parler, pour parler de la Poste, qui de mieux que le numéro 1 de cette structure de notre État, la Société Congolaise des Postes et Télécommunications. Vous l'avez compris, nous recevons aujourd'hui M. Didier Moussété, qui est le directeur général de cette institution. Nous le saluons. Bonjour, M. DG. Bonjour, M. le journaliste. Nous vous saluons à double titre. D'abord en tant que DG, mais un peu aussi en tant qu'une curiosité historique. Je dis ça pourquoi? Parce que ça ne s'est jamais fait dans notre pays. L'état de droit, ça fonctionne un peu aussi. Parce qu'un homme qui a eu quand même des problèmes avec sa hiérarchie, il a été mis à côté de son poste. Pendant 4 ans, il a suivi la procédure de contestation, sinon la procédure de recours auprès des instances de notre pays. 4 ans après, M. Diomsédé, vous êtes revenu à la poste. Avant toute chose, est-ce que nous sommes en présence d'un miracle de l'état de droit? Merci beaucoup. Je peux dire qu'effectivement, oui, vous êtes en face d'un miracle, parce que, comme vous l'avez dit, dans notre pays, ça ne s'est pas fait. Hein. Je pense que, selon les curiosités que j'ai pu obtenir par-ci, par-là, il n'y a jamais eu un mandataire qui soit suspendu plus de 4 ans et revenir. Ça, c'est le miracle de l'état des droits. En cela, je dois rendre hommage au chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que si j'ai réussi à introduire mon recours aux dernières, je pense que le Conseil d'État, c'est la dernière instance en ce qui concerne la matière administrative, et si j'ai pu en tout cas déposer mon recours, c'est parce que j'ai cru à ce qu'il a annoncé dès son avènement, c'est à ce que nous puissions obtenir et que nos juges, nos cours et tribunaux enfin puissent dire le droit. Hein, et je pense que cela est le cas aujourd'hui. Il est clair que c'est un combat perpétuel. Il va falloir qu'on se batte tous, à tous les niveaux, pour que nous puissions perpétuer cet état de droit. Mais en tout cas, je rends hommage au chef de l'État. Le Conseil d'État a-t-il raison de ramener M. Didier Moussété à ce poste de général? Nous allons le savoir dans cette émission, parce qu'il n'est pas revenu simplement pour le droit. Il est revenu pour le travail. Et pour parler avec ça, je ne suis pas seul, avec deux grands confrères qui sont ici. Je voudrais saluer ici, bienvenue Bakoumania. Bonjour. Bienvenue n'est pas présenté, journaliste économique éminent. Aujourd'hui, il est à l'AFP. Mais c'est un grand débatteur, il est ici dans sa dimension de journaliste économique. Alors, un autre journaliste puissant, parce que ça c'est de la puissance, c'est Gilles Boulembi, que l'on appelle Ndekozou. Gilles Boulembi, nous a aidés parce qu'il nous a permis, en tant que journaliste, de maîtriser le Lingala, de vivre et de réfléchir dans notre propre langue. Il est donc ici, et j'espère que le directeur général a révisé son Lingala, parce que lui, il posera des questions totalement en Lingala. Monsieur le directeur général, vous êtes ici donc depuis le 30 mars de cette année. Vous êtes revenu à la Poste. Je voudrais d'abord savoir, et nous allons aller tout droit au cœur de la question, vous retrouvez votre bureau, vous vous asseyez, alors est-ce que c'est la même poste que vous avez laissée? Oui, merci beaucoup, M. Midi. Dès que nous sommes arrivés, nous avons organisé les états des lieux donc, de la SCPT dans tous les secteurs donc, de la vie de notre entreprise. Ce que nous avons trouvé en faisant cet état des lieux, bon, on s'y attendait un tout petit peu. Franchement, je m'étais dit quand même, au bout de 4 ans, quand j'ai été suspendu en 2016, nous avons ramené l'entreprise à un certain niveau.
J'avais quand même de doutes de retrouver ce niveau-là, je l'avoue. Mais ce que nous avons trouvé, c'est encore beaucoup plus désolant que ce que nous avons imaginé. La situation en 2021 est encore pire que ce que nous avons trouvé en 2015. Parce que les espérances ont déjà été, je dirais, surévaluées. Et les gens avaient repris les habitudes d'être payés tout, régulièrement tous les mois, ainsi de suite. Donc, ce que nous avons trouvé, c'est vraiment assez désolant. Je vais essayer de résumer ça en deux, trois mouvements. Premièrement, sur le plan financier. Sur le plan financier, nous avons trouvé une entreprise qui n'a plus établi ses états financiers depuis 2019. Donc 2019, 2020, les états financiers n'ont pas été établis. Et c'est de 2018, c'était rejeté par le conseil d'administration de l'Assemblée générale par manque de sincérité. 2021 en arrivant, le budget de fonctionnement pour l'exercice 2021 n'était pas non plus établi. Donc ça fait partie des difficultés auxquelles nous avons fait face. J'ai découvert également en arrivant que ensuite, dans le secteur des télécommunications, la fibre optique sur la première phase, c'est-à-dire Kinshasa-Mwanda, qui à notre départ d'entreprise était capé avec un taux de disponibilité de 97,4%. Mais en revenant, nous avons trouvé l'entreprise avec un taux de disponibilité sur la phase 1 à moins de 70%. Et sur la phase 2, donc Kinshasa, Kasumbalé, Sasakanya, le réseau était laissé à l'abandon. Donc un investissement de plus de 221 millions de dollars quand même tout de même, mais qui a été laissé à l'abandon pendant 4 ans, plus d'exploitation, plus de maintenance. C'est vraiment une désolation, vraiment une gabegie financière. Et nous avons trouvé également, sur les aspects de télécommunication également, en tout cas, une difficulté majeure, puisque notre communication vers l'international était quasiment suspendue de partout, à cause des endettements vraiment excessifs, avec Congo-Brazzaville, plus de 3 millions de dollars, avec Angola Cable, avec Zamtel en Zambie, avec Vodafone en Londres. Bref, nous avons été en cessation de connectivité avec l'international sur le plan Internet. Donc, bref, une situation mais horrible, que je n'ai jamais vue. Sur le plan postal, nous avons trouvé également un état des lieux très, très pénible. La poste a reculé. La messagerie postale a même disparu puisque nous avions mis en 2016 un outil pour réveiller ou moderniser clairement la messagerie postale, c'est-à-dire messagerie financière postale, c'est-à-dire la Poste Finance, notre banque postale locale. Cet outil a été abandonné et voire même certains fonds qui y étaient ont été détournés pour d'autres causes. Et sur le plan, je dirais, RH, parce que je pourrais y passer comme ça la soirée à parler de toutes ces difficultés auxquelles nous avons fait face, mais l'état des lieux a montré aussi sur le plan RH des salaires qui n'ont plus été payés, ce qui n'était plus le cas lorsque nous étions là, plus de 23 mois d'arriéré de salaire au niveau national. En bref, c'était pénible. Pénible. Okay. Bienvenue. Vous commencez le bal de questions. Oui, je voudrais qu'on aborde des chiffres à votre départ, si ma mémoire ne me trahit pas. Vous avez laissé un chiffre d'affaires d'environ 1,5 milliard, au-delà, je crois. Qu'avez-vous trouvé? Et aujourd'hui, 6 mois après, on en est où? Oui. En 2016, nous avons laissé un chiffre d'affaires qui était à 1 700 000 dollars. Il y a un mois, nous avons facturé ainsi. Ça, c'est mensuel. Et aujourd'hui, en arrivant, nous avons trouvé un chiffre d'affaires qui a été divisé par 3. Nous avons trouvé moins de 500 000 dollars des chiffres d'affaires réalisés les 3 premiers mois, janvier, février, mars 2021, puisque, comme je disais tout à l'heure, les états financiers 2019-2020 ont manqué de sincérité et qu'on ne peut même pas les endosser. Donc ça c'est la réalité. Bon, je peux dire sur ce que nous avons fait depuis pour remonter le chiffre d'affaires. Le travail que nous avons fait en arrivant, nous avons fait l'état des lieux et aussitôt nous avons montré les perspectives, qu'est-ce que nous pouvons faire pour relever l'entreprise. Notre plan a été dénommé le plan de stabilisation et de restructuration.
Pourquoi la stabilisation? Parce que si nous ne stabilisons pas cette entreprise, qu'il y a de ressorts assez intéressants pour faire que la RDC soit la locomotive en ce qui concerne la télécommunication publique au niveau régional, en ce qui concerne les services universels postaux au niveau régional, nous avons vocation à être vraiment la tête. Alors, nous avons choisi de stabiliser. Alors, pour stabiliser, nous avons pris chaque segment, en tout cas, de département de la vie de l'entreprise. Sur le plan financier, nous avons choisi de vite établir les états financiers 2019-2020. Ceux-ci ont été établis, présentés au conseil d'administration depuis le mois de mars. Nous attendons donc l'avis du commissaire aux comptes pour que l'Assemblée générale puisse se tenir et que nous puissions tourner la page et ouvrir, je dirais, l'exercice 2021, parce que tout cela est saisi sans être enregistré correctement. Nous avons également, sur le plan télécommunication, lancé un projet, vaste projet, après plus de 3 mois de processus de passation de marché auprès de la DGCMP. Nous avons recruté 10 prestataires qui ont lancé des travaux pour réhabiliter notre infrastructure de fibre optique de Mwanda jusqu'à Sakania. Et les retombées de cette réhabilitation vont commencer à être observées. Mais déjà, nous avons entrepris des démarches assez musclées auprès de Congo-Brazzaville, avec qui nous avons repris le trafic, auprès de la Zambie, auprès de l'Angola Cable, avec qui nous avons repris le trafic, avec l'Europe et avec l'Afrique du Sud. Par conséquent, le chiffre d'affaires a été déjà triplé. Donc nous sommes déjà en termes de facturation à plus $1,200,000 que nous avons facturé, et en termes de recouvrement nous sommes déjà à plus de $800,000, ce qui fait que nous serons en mesure de plus en plus. Mais notre target que nous avons fixé avec ce plan de stabilisation, c'est de ne pas rester à 1,700,000 que nous avons fixé et que nous avons obtenu. Mais nous voulons aller à $2,000,000 le plus rapidement possible. Donc notre combat, toute l'entreprise est mobilisée, toutes les énergies se coalisent pour que nous puissions atteindre $2,000,000 et rapidement dépasser cela pour atteindre $5-6 millions et à terme même $10 millions. Nous reviendrons sur les chiffres parce que vous les gardez, mais je voudrais quand même que nous puissions quand même avoir une question de Ndeko Zulu. Et rapidement, parce que les questions vont pleuvoir et j'espère que les DG s'est préparé à donner toutes les réponses. De vos autres, je vous en prie. Merci, Willy Kalenga. Nous avons tout droit au but. Patrimoine, il y a au CPT. Après l'investigation, nous avons Babi Didier Moussa et Zongi Namoussala, au comité Kabatere. Il y a au CPT. Au Teki Terre à Pongabi et pas à Libanais. Au Teki Terre à au commandement côté à IGF. Au Teki Terre à avenir de l'école. Quel mode de gestion, Didier Mousseto? Vous savez, quand vous avez dit ça, vous avez dit ça. Vous avez dit ça, pardon. Non, lorsque nous avons été déjà ici en 2016. Voilà, ah, pardon. C'est vrai. Voilà. Merci, Ndeko Zulu. Tant que vous avez déjà en 2007, vous avez un projet, wana, non pas y a côté qu'à ma pangou y a poste. Mais justement, ezali pona ko éviter au babenga gaspoliation. Quelle est la solution? Ndenge boye bi mapango ya poste eza spolié par des fois bisomoko ba agent ya poste awa. Oyo baza ko occupé, ba musu ko tcha ko locataire, ba musu ko sala ke mbongo na bango retraite soki pe ya makite, ba botoli opango, ba teki yango bango moko. En tout cas, spoliation za ndenge bele, même ba service à l'état. Bah, mi konzi msusu pe ya mboka, yo elekaki bonaye kozoba ndako, a le pape, bateki yango, basel mwamba. Avec la science, msusu mwoto, bisyo sozo, ebi yango avec la science. Spolie, ekena na mpeka kabongo, na masina kuna sans fil, ekena na mpeka kabongo. En tout cas, bisike bele, zaki spolie. Problématique na psu zaki nini. Na français babenga yango, centre de coût ou bien centre de profit. C'est-à-dire que, tant que toye awa, depuis 2016, d'ailleurs, tu constates qu'il y a un gros, et ça que, qu'on gardait le terrain, qu'on gardait le bandage où il y a poste, et ça, qu'on a un gambou, on a besoin.
au batuba batia gabiso basi ya gabiso ba panzi batia so panzi likolo likolo pour na robib sa bambongo pour na kene ba tribunal ko se défendre et puis ba dubazo ko tia ba bilo ko bilé bilé na ba malewa na ba na sima poste. Donc vraiment makamongo très très difficile à chaque fois tozo bib sa bambongo pour na ko se défendre. Mais est-ce que ba terre wana et comme dit biso ngambu ou bien tu veux profiter dans le soir en poste pour comment communiquer la rabiso mbongo toi changer en et le centre de coût et comme un centre de profit pour et comment communiquer mbongo pour la poste yango wana to salaki projet tant on aille na kutaki déjà projet en déjà ou ya ponkapi par exemple ministre à portefeuille a autorisé qui conseil d'administration la direction générale pour va signer contrat d'un partenaire ou à coquille, à Zanama coquille, il y a qu'on valorise, il y a qu'on tchab a bien mis son en valeur. Et le cas à la bongo spolié, comme à Ponga Visa qui est presque spolié de partout, locataire en a quatre, donc on peut foutre un bon en route. Et donc, comme ils ont acquis pendant, ou bien qui acquis la mesure conservatoire entre deux gouvernements, donc, tu as acquis peu autorisation, il y a présidence, et il y a un moment où on a acquis contrat, ou on a, ils ont un contrat, il y a bail. Jamais contrat il y a vente. Donc dans votre la miso l'issu du Nicolas et l'issu pour n'avoir pas savoir que jamais vous vous gardez des monsieur d'attaquer qui terrain il y a poste du jamais. Est-ce pas contre les amis ou bientôt qu'un chef? Oh, pas contre les amis, vraiment les chefs pour nous attaquer ces amis. Pas contre les amis dans votre. Ils ont un contrat mon roi il y a un contrat de bail. Donc ils ont un partenariat au Mutu aille seulement lobby. Bon, ngai na moni besoin pour battre à ouais. Na goyi ko chama mon son ngai. To retaper si koyo to sali moi immeuble amunene ou bien to sali banga ya kitoko poste azui na se asa musana ye azui banga ya kitoko nouvelle génération na likolo na sali ata un ou deux immeubles likolo palier likolo étage à likolo na chef locataire na ngai au bout d'un certain nombre d'années 5 ans 10 ans 20 ans ça dépend il y a investissement il y a taille investissement to sala. Donc après nous tournons sur que si nyo surtout ils ont une poste 100% nous t'a signé tout de signer et tambozate à pendant ce temps là tous les mois toujours côté sambo tous les mois il y a un autre met to tient sur quoi bah autre ben abusement direction de gestion immobilière donc na poste awa bah bon au mini to auto foot ah mon bas salaire bah fonctionnement et autres habi na immobilier sur quoi avant ils avaient bah directeur mon gros on a qu'à un cousu comme ça bah que bah mon gros un locataire na mon abin da bala. Si vous avez un bon côté, vous avez un bon côté, vous avez un bon locataire, vous avez un bon tous les mois, vous avez un bon garantie, vous avez un bon na caisse. Donc, vous avez un bon. Mais sur le général, c'est vrai que faire des centres de goût, centres de profit, ça peut même vous faire dormir sous vos lauriers et oublier même l'objet social. Parce que vous risquez d'avoir de l'argent, parce que ça vient des contrats de bail et le pays est immense. Et aujourd'hui, la Poste a énormément de maisons. Vous risquez de devenir simplement une maison de mobilier, en oubliant même que la Poste a un rôle à jouer. Alors, revenons sur les missions de la Poste. Vous êtes revenu, certes, vous avez mis en place un plan de stabilisation et de restructuration, mais vous voulez restaurer quoi? Parce que l'entreprise elle-même, telle qu'elle fonctionne, c'est une entreprise inachevée sur le plan de la restructuration. Vous savez bien que toutes les entreprises qui étaient entreprises d'État devaient devenir entreprises commerciales. Le copyright a échoué, c'est une réforme qui a échoué. Quand vous parlez de restructuration, vous parlez de quoi exactement? Je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit en commençant. En réalité, il n'est pas question d'ignorer notre objet social avec l'immobilier, non. Bien au contraire, l'immobilier va nous permettre d'exercer pleinement notre objet social. Mais au niveau de l'Union postale universelle, il y a ce qu'on appelle les recettes accidentelles. Il est conseillé, recommandé aux postes de pouvoir diversifier leurs sources de revenus. Donc l'immobilier, il y a des sociétés postales dans le monde qui ont même des avions, qui ont des cars pour déposer les courriers, en même temps les individus qui veulent. Voilà. En tout cas, la Poste, vous savez, en France par exemple, la Poste, c'est le plus grand employeur. La Poste en France emploie 220 000 personnes, rien que la Poste. Donc, là-dedans, moi j'ai mon beau-père, quand j'étais encore en Europe, qui a travaillé toute sa vie à la Poste.
C'est un grand employeur avec des sous-traitants, avec énormément de revenus qui sont un peu disparates, qui viennent un peu de beaucoup de sources. Maintenant, pour revenir sur la restructuration, nous sommes la RDC. Et en cela, je veux remercier mes deux ministres, en tout cas les ministres de PT Antique la ministre du portefeuille. La ministre du portefeuille. Franchement, avec leur appui, les 6 derniers mois, nous voyons les résultats de ce que nous avons commencé à entreprendre. Madame la ministre du portefeuille, la ministre d'État, a une vision qui est dans la ligne droite de ce que nous aussi, nous avons voulu proposer. Et cela découle même de la vision du chef de l'État, qui est le peuple d'abord. Comment faire pour que nous puissions faire jouir à notre peuple, notre population, le retomber d'un opérateur public postal, un opérateur public de télécommunications dans notre pays? Alors, nous, l'équation est simple. Si on veut continuer à garder le modèle que nous avons aujourd'hui, c'est sûr que le même cause produisant les mêmes effets, on va aller nulle part. On va faire le rond-point, comme on aime dire ici. Hein. Mais si nous voulons sortir de l'auberge, la voie par excellence, c'est la restructuration de la SCPT. Pourquoi ? Parce que nous sommes le seul pays digne de ce nom au monde qui a encore en son sein et la poste et les télécommunications. Ça n'existe plus au monde. Nous sommes le seul pays. Donc nous sommes devant une opportunité que le chef de l'État a, que mes deux, en tout cas, responsables hiérarchiques, les deux ministres ont, c'est que nous puissions transformer la SCPT. Le copyrep, je ne vais pas dire qu'il a échoué, mais plutôt c'est pas allé jusqu'au bout. On a parlé d'inachevé. Bon. Voilà, inachevé. La réforme n'est pas allée jusqu'au bout. Et je pense que la SCPT peut constituer ce modèle où nous pouvons réussir, en tout cas, à achever la réforme en transformant la SCPT. Je pense que la vision est déjà claire. Donc, il faut séparer la poste avec la télécommunication tout en gardant le lien de manière à ce que les deux continuent à fonctionner et également, sans doute, aussi la partie messagerie financière, c'est-à-dire la banque postale, avoir une banque postale dans notre pays. Enfin, une banque détenue à 100% par l'État, avec aussi bien du retail, c'est-à-dire des particuliers, que de l'investissement. Bref, je pense pour moi, nous sommes à l'aube de quelque chose de géant. Donc la RDC aura enfin un opérateur des télécommunications sur le fixe et voire même sur le mobile en fonction de l'investissement, de la volonté politique que je pense que le chef de l'État veut imprimer à travers cette société. Vous avez tout à l'heure parlé d'une direction en charge des infrastructures. Est-ce que vous avez finalement une cartographie de votre patrimoine immobilier dans le pays? Et si vous l'avez, comment comptez-vous le rentabiliser en fonction des missions qui sont confiées à votre entreprise? Oui, aujourd'hui nous avons plus de 360 bureaux de poste au niveau de la République tout entière. Mais si nous rajoutons des biens, c'est-à-dire des terrains, des maisons, des fois même des bâtiments, des télécommunications, des data centers, nous sommes presque à 500 biens qui appartiennent à la SCPT. Pour beaucoup, ces biens sont spoliés. Quasiment, je dirais, 60% de ces biens sont spoliés. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un abandon de poste. Ça, il faut qu'on le dise. Moi, je le dis avec vraiment beaucoup de peine dans mon cœur de voir comment la SCPT a choisi de reculer. J'étais au bureau des postes de Mangobo, dans le quartier Mangobo à Kisangani. J'étais effaré de voir comment on est parti. Donc, soigneusement, on a bien pris le soin de bien fermer, descendre le rideau fermé, et on est parti. Et pourtant, c'est un joli bureau de poste. J'étais à Luputa, juste à la frontière entre le Kasaï et puis le Katanga. Mais c'est magnifique! Un beau bureau de poste occupé par la CENI, un grand spoliateur de la SCPT. Je ferme la parenthèse que j'ai ouverte, pareil. Et donc, j'ai découvert des beaux bureaux de poste. Magnifique, tel que le colon construit, avec des pierres de moellons comme ça, là, bien la toiture un peu affaissée. Mais voilà, tous ces sites sont encore là.
Et il suffit seulement que nous puissions avoir la volonté de rouvrir le bureau des postes, malgré nos difficultés, mais nous sommes lancés à cela. Tout à l'heure, je parlais d'ailleurs de plan de stabilisation, je parlais de télécom, mais je n'ai pas encore eu à parler de la poste. Mais notre vision, c'est de rouvrir tous les bureaux des postes pour cette année, en commençant par les territoires. Les 145 territoires, nous vous annonçons que nous allons rouvrir. À Sandoa, un clin d'œil à celle qui va reconnaître sa cité, nous allons rouvrir à Sandoa, nous allons rouvrir à Idiofa, nous allons rouvrir à partout, en tout cas où il y a un territoire, nous sommes décidés, c'est la vision du chef de l'État, c'est la vision qui est portée par, en tout cas, les ministres qui encadrent l'action du gouvernement, et nous pensons qu'avec l'appui du Premier ministre qui est toujours là, avec toute son équipe qui nous visite régulièrement, nous allons réussir ce pari. Alors, deuxième volet de ma question, la Poste Finance. Comment opérer la Poste Finance sans être présente dans une chambre de compensation? Et est-ce que ce n'est pas une utopie? Alors, non, parce qu'au fait, il y a beaucoup de messageries qui ne sont pas, au fait, aujourd'hui, dans la chambre de compensation. Hein. Mais pour la petite histoire, il faut se dire que la SCPT, dans son essence, donc dans son être, dans son ADN, c'est déjà une institution financière. C'est une petite banque en soi. Nous avons toute l'autorisation, nous figurons dans toute la loi au niveau donc de la Banque centrale pour pouvoir faire la collecte de l'épargne, pour pouvoir créer des comptes chèques postaux, pour pouvoir faire des transferts d'argent, pour pouvoir voilà tous ces services que nous rendons déjà à nos populations. Et ce que nous avons fait en revenant toujours dans le cadre de la stabilisation, je continue à en parler, nous avons maintenant mis en place un nouvel outil. Et nous avons eu l'assistance d'un opérateur local, une société financière congolaise qui est Flash. Et donc ce partenaire nous a apporté ce qu'on appelle BAS, Bank as a Service. Donc ils ont mis en place un outil qui nous permet de migrer tous les comptes qui étaient créés sous l'ancien outil qui a été en tout cas mal géré pendant mon absence, et nous avons intégré tous ces comptes-là dans cette nouvelle plateforme, et nous avons fait des connexions avec presque tout le monde à travers notre partenaire Flash. Donc aujourd'hui, à la SCPT, dans le bureau des postes, vous pouvez payer des unités de différents opérateurs mobiles. Vous pouvez payer votre Canal+, renouveler votre abonnement. Vous pouvez aller dans votre bureau des postes pour faire des transferts d'argent. Western Union, MoneyGram. Voilà, vous pouvez faire un certain nombre de paiements dans le bureau de poste aujourd'hui. Donc cela ne nécessite pas absolument que nous soyons dans la chambre de compensation telle qu'on souhaiterait l'avoir. Mais tout cela, c'est embryonnaire à ce que nous voulons réellement faire. C'est la banque postale. Nous pensons qu'on peut le faire parce que c'est l'État. L'État doit décider qu'est-ce qu'elle peut faire de son entreprise, de la poste sur son volet messagerie financière. Et donc nous pensons qu'avec ce que l'État, les créances que la SCPT a sur l'État, nous avons plus de 307 millions de dollars que l'État doit à la SCPT. Notre proposition, et ça a été déjà obtenu, qu'au moins 54 millions de dollars soient mis de côté de manière à ce que nous puissions déposer cela à la Banque centrale comme notre réserve, notre caution de garantie, et le reste pour réhabiliter un certain nombre de bâtiments, de bureaux, et des intéressés sans doute aussi des retraités, parce qu'il y a tout un plan social qu'il faut y penser par ailleurs. Et comme cela, nous allons pouvoir ester clairement comme étant une vraie banque. Moi, j'aime le dire, une banque de détail, mais aussi une banque d'investissement. Parce que l'État a besoin d'un outil. On ne peut pas, aujourd'hui, nous créer une banque juste pour faire des transferts d'argent. Il faut qu'on ait un outil qui va nous permettre de lever des grands capitaux pour accompagner la vision du chef de l'État dans les infrastructures. Et je pense que la Poste peut constituer, comme dans le modèle de d'autres, la Poste en France, par exemple, finance beaucoup d'infrastructures. Donc, il va falloir que nous puissions y penser. Je pense que nous avons tout ce qu'il faut. Les Congolais, par-delà le monde, nous avons des compétences qui peuvent nous permettre d'aller dans ces directions. Et tout cela, avant que Ndegozou ne pose la question, vous l'avez fait en quelques mois. Tout ça, tout ce que vous venez de dire, faire un dossier pour que la banque vienne,
faire un dossier pour que la Poste puisse récupérer ce mobilier. Avec quelle vitesse vous travaillez? Il est clair que moi-même, des fois, je me pince un peu pour savoir si c'est nous qui faisons ça à si peu de temps. Mais je peux dire que nous venons de passer presque les 6 mois les plus difficiles de notre existence. Moi-même ici, ainsi que tous nos collaborateurs, parce qu'il n'y a pas que moi, tous les postiers, tous les télécommunicants publics ici travaillent d'arrache-pied pour remonter, pour stabiliser l'entreprise. Mais il est connu que la Poste a un personnel extrêmement vieillissant et que ce sont des gens qui doivent être à la retraite. Vous faites travailler des retraités presque alors. Mais c'est ça ce qui est assez, assez étonnant. C'est qu'effectivement, nous avons une population assez vieillissante ici. La moyenne d'âge, c'est 50 ans. 55 ans. Je vous fais rire, mais une fois, en 2016, j'ai organisé une réunion des jeunes de la SCPT. Et je trouvais devant moi des jeunes de 55 ans. Alors j'ai dit, c'est une blague. Et on a rigolé tous, oui, c'est nous les jeunes de la SCPT. Moi y compris d'ailleurs, j'ai déjà plus de 50 ans maintenant. Donc il est vrai que la population est vieillissante. Lorsque j'étais là en 2015-2016, nous avons trouvé autour des 1400 personnels, agents et cadres actifs. Mais aujourd'hui, nous sommes à peu près 900. Il y a eu donc une masse tous les ans, les gens partent à la retraite. Donc il y a un besoin de rajeunir notre population. Nous y travaillons sur le volet RH pour sa stabilisation. Mais cependant, les mêmes personnes qui sont assez vieillissantes, mais ont le savoir-faire. C'est ça ce qui est formidable. Les postiers que vous voyez là, les mettre dans des conditions maximales, optimales pour pouvoir travailler, mais ils donnent un bon rendement. En 2016, nous avons vu le volume de courriers vraiment être de plus en plus significatif. Et nous avons vu même le coupure de la fibre optique s'estomper, parce que quelquefois, il y avait, voilà. C'était... Voilà, hein. Donc, mais nous avons vu la qualité être rendue à son haut niveau. Donc, pour dire qu'il y a ici la technicité, il y a ici le savoir-faire. D'ailleurs, beaucoup des jeunes qui sont passés par la SCPT à l'époque se retrouvent chez Vodacom, chez les autres, hein, nos concurrents et puis nos partenaires en même temps. Donc, pour dire qu'il y a la technicité, il y a le savoir-faire qui sera transféré vers la jeunesse que nous aurons l'occasion de capter bientôt. Voilà. Merci, Willy Kalengai. Deux petites questions. Didier Moussete, pour parmi les entreprises, Autobeng, Temple, Grève, pour les amis Balé. Et ça, on est en train de poste. Et fourni nos os à la poste, cercueil, tu retrouves en hôtel de Boussa Boulevard. Pour toi, yébi, on connaît les joueurs et leurs jeux. Toi, yébi, poste, c'est madame. Et fourni nos os à la pour te retrouver cercueil, tu es Didier Moussete Bakundaye déjà, de Boussa Boulevard. Deuxième question, après l'investigation, on a un poste, on a un regard salaire il y a 4 ans. Les hommes passent, les institutions restent. Il y a la continuité de l'État. On soit quoi assumer. Bon, Gaï, Nazan, le principe, mon corps, c'est d'abord un Moussala. Tozo Sala, Moussala. Moussala, automatiquement, est payac. D'ailleurs, vive le bien, hein, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et chaque travailleur mérite son salaire. Donc, je ne vois même pas une difficulté en ce qui concerne qu'au payer Batouba salaire Nabamo. Donc, il est vrai que lorsque Tozo Nakiawa, ton coup de difficulté, mon corps, que je ne peux pas vous décrire. Avec les banques, à la Roban, nous étions à plus de 1 million de dollars de découverts. À la TMB, plus de 400 000 dollars de découverts. Donc, bref, que tout rassemblé, nous étions plus de moins 1 700 000 dollars de découverts. Avec dette Congo-Brazza, par-ci par-là, les dettes de Huawei, nous avons trouvé presque 10 millions de dollars de dettes. Sans parler, bien, enfin, avec cela, il faut rajouter, dette sociale. Dette sociale, salaire. Tu as 23 mois, il y a un paiement à salaire dans la province. 13 mois, il y a un paiement à salaire à Kinshasa. Donc, ma province coûte depuis Nakenda, presque, on a un salaire. La province de Nakenda, on a un salaire, plutôt, à la poste.
Donc, puisque tu as un gawa, tu as effort, Makasi, malgré la difficulté, tu as rattrapé le retard. Déjà, depuis avril, tu as dit tout, tu as payé. Malgré la difficulté, ils ont passé pour moi, il faut qu'on travaille ici, bango vérité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça montre vérité. Que bongo exacte. Mais ce qui te sali, bongo et koko tapé même et komata. Avec bongo, maintenant qu'il va mourir, l'État a utilisé ton pessimino bongo, mais ton pessimino infrastructure, ton pessimino banda kou ya poste, ton pessimino objet social, ton pessimino droit exclusif ya poste. Mais bon, ça, yango na siko musona to sala ki chiffre d'affaires comme matin. C'est quoi, tu vas payer, malin, mais tu vas payer déjà, et puis tu vas prendre des charges sur quoi, barrière, pour te couper, maman est belé. Même déjà en 2016, tu vois qu'il y a solution pour la barrière, ou avant 2015, où il y a plus de 200 millions de dollars, plus de 96 mois, où tu vas foutre à marater ma poste. Tu vois qu'il y a solution, tu vas te faire un partenaire manco comme ça batuba zoa hein de loti c'est ça qui est lotissement à banda kukuna mais faut on travaille un peu depuis la kenda qui banda kou partait de salaté. Donc session au ezoya na mois d'octobre oyo na banque syndicat ça sur la mission paix sociale les alloga ya motuya ce qui tous sur là tous comprendre ah la vision ezali tout ça la musala musala na ya on des côtés en bongo ce que batuba zo sourire comme on en a écoutez. Alors, monsieur le directeur général, et pour ceux qui nous suivent, nous sommes vraiment dans la journée de la Poste. Nous célébrons la force de la Poste et vous avez compris que c'est un travail dur, un travail essentiel. Alors, une petite question. Quand nous parlons avec les autres acteurs qui ne sont pas à la Poste, notamment les autres opérateurs, je peux citer Vodacom, RTL, Africell, Orange, et ils disent que ce n'est pas normal que la Poste n'ait pas de moyens. Parce que nous, avec la, nous donnons beaucoup d'argent à la Poste. Nous payons régulièrement les services qui nous est rendus au travers de l'obligation qu'on nous a imposée d'utiliser la fibre optique par la Poste. Donc ils ne comprennent pas que la Poste ait développé un discours de pauvreté. Hein, comment la Poste se plaint tout le temps alors que la Poste a des moyens. Alors, le fait qu'il n'y ait pas de moyens à la Poste, c'est une question de tarification ou une question de gestion, ou carrément les autres opérateurs vous font de la médisance pour concurrence déloyale. Merci pour cette question, M. Willy. C'est vraiment, ça vaut son pesant d'or. Nous avons en face de nous des partenaires. Je remercie en tout cas les quatre opérateurs de la confiance qu'ils ont envers notre entreprise publique, la SCPT. Je les ai rencontrés tous, les directeurs généraux et puis leurs équipes, et nous continuerons toujours à collaborer avec eux. Il est clair que je ne peux pas dire qu'ils ont toujours payé si facilement. Ils doivent se reconnaître eux-mêmes dans leur plus profond d'eux-mêmes. Ils doivent savoir qu'ils nous doivent encore beaucoup d'argent au moment où on parle. Je ne vais pas citer les noms, bien sûr, mais ils doivent encore de l'argent. Le recouvrement se fait difficilement. Mais qu'à cela ne tienne, ce n'est pas ça l'enjeu. Le problème, c'est que c'est la gestion, c'est l'État dont il est question. Si nous faisons une gestion hasardeuse, comme ce que nous avons trouvé avec des états financiers complètement non établis, si nous voyons que le fonds, plutôt que d'être utilisé pour payer les fournisseurs, mais ne font pas vers, le règlement de nos factures et qu'on nous ferme les accès, les interconnexions avec le pays voisin et puis l'international, tandis que les opérateurs, eux, ils ont payé. Donc voilà, c'est tout ça, c'est un problème de gestion qui font que nous n'y arrivons pas. Mais depuis que nous sommes là, nous avons repris ce que nous avons fait déjà en 2015-2016, et je suis persuadé, le travail que nous avons lancé, qui sera bientôt, avant la fin de l'année, visible pour tout le monde, c'est que la liaison Mwanda-Kinshasa sera réhabilitée davantage, mais surtout mieux opérée, mais surtout la liaison Kinshasa jusqu'à Sakania sera réhabilitée entièrement.
Et déjà, les opérateurs sont prêts à prendre des services pour aller desservir la ville de Bandundouville. Et notre vision, c'est de faire que la SCPT soit l'opérateur de référence sur les infrastructures fixes dans un premier temps. Pour le mobile, on verra. Voilà. Mais sur le fixe, nous devons être l'opérateur de référence. C'est pour cela que je peux vous annoncer, dans les jours à venir, nous allons lancer depuis Matadi ce qu'on appelle la connectivité FTTH, Fiber to the Home. Donc, la première ligne fixe basée sur la fibre optique va être publique, bien sûr, va être lancée depuis Matadi dans les jours à venir. Vous serez invités. Nous voulons que la SCPT soit l'opérateur de référence pour permettre à chacun d'entre nous d'avoir un téléphone à la maison, d'avoir la télévision, d'avoir l'Internet. Donc, dans la fibre optique, vous pouvez y mettre de la télé aussi? Tout à fait. Les différents services qui sont proposés, qui sont déjà packagés, qui seront proposés, ce qu'on appelle le triple play, donc la télévision, l'Internet et la téléphonie sur la fibre optique. Si on vous suit vraiment, les gens rêvent, on voit déjà le monde changer, c'est terrible, c'est beau tout ça. Est-ce que c'est pas un rêve en réalité? Non, c'est pas un rêve. Quelle est la force de votre conviction? Pourquoi vous pensez que ça va se faire? Non, c'est pas un rêve puisque nous y sommes déjà. Donc c'est pas un rêve. Et ce que nous faisons là, c'est pas une innovation. Que cela soit dit en passant, parce que dans le pays du Nord, et pas seulement du Nord, même nos voisins font déjà du FTTH, font déjà des triples. Nous allons prendre deux dernières questions pour... Oui, c'est juste pour repréciser les choses. Vous réhabilitez l'Internet et il se pose des problèmes de redondance. On a connu ce problème sérieusement il y a quelques temps. Bon, vous l'avez dit tout à l'heure, mais j'aimerais quand même savoir qu'est-ce qui nous garantit qu'on ne va pas retomber dans les mêmes travers. Bon, notre secteur a évolué. On n'est plus dans le même cadre qu'en 2016. Aujourd'hui, nous avons une fibre optique de la SNEL qui est opérationnelle entre Inga et Kasumbalesa. C'est une fibre de transport, c'est-à-dire qu'elle passe, hein, Inga Shaba. Tandis que la fibre de la SCPT, c'est une fibre optique omnibus qui va là où les gens sont. Nous sommes là, Kwango, Kenge, Kikwit, Bandundouville, Massimanimba, tout ça, jusque dans le Katanga. Donc nous desservons nos populations. Mais nous avons besoin de faire la redondance. Voilà pourquoi nous avons commencé les échanges avec la SNEL, pour qu'une paire de fibres soit mise à disposition de la SCPT. Je pense que le contrat devait être signé dans les meilleurs délais pour que nous puissions faire la redondance de toutes les connectivités partout sous la liaison. Sur Kinshasa, Mwanda, la même chose, il y a la SNEL, mais il y a aussi Sokov qui a mis aussi une fibre optique au sol et sous-sol, donc nous allons pouvoir l'utiliser également avec une paire de fibres, c'est ce que nous avons demandé, et cela permettra la redondance. Maintenant, pour la connectivité Internet, c'est ça ce qui est intéressant, nous avons fait de la redondance. Aujourd'hui, l'Internet coupé entièrement, ça deviendra vraiment presque miraculeux. C'est arrivé, ça peut arriver. Hein, nous avons connu le cas, mais franchement, ça ne reviendra plus. Parce que nous avons une connexion vers Mwanda, Kinshasa, Mwanda, directement par les deux câbles, bientôt sur les trois câbles. Nous avons déjà la connexion vers Brazzaville et qui va aussi bien chez Brazzavillois eux-mêmes que vers l'Angola. Et nous avons également sur Kasumbalesa, nous avons rouvert le trafic vers la Zambie et l'Afrique du Sud. Et nous sommes en train de mettre en place dans les jours à venir la connexion à partir de Goma, Bukavu et Kassindi pour aller vers le câble de Soleil Indien. Bref, tout ça fait que dire que la RDC se retrouvera avec un blackout total, ça relèvera vraiment de l'utopie. Donc nous aurons des redondances sur les réseaux terrestres, bien sûr, sans parler des VSAT, des opérateurs. Les VSAT, on utilise de moins en moins parce que nous avons tellement de redondances maintenant que les opérateurs comptent de plus en plus sur la SCPT pour apporter cela dans notre pays. Parce que na Sidisi, nga nazo batango tozaye bana mike nazo ke soit na cabine téléphonique na Vélodrome. Ya Kintambo, au coach Sololi na poste. Son abeti tour na bandal na Sololi na terrain municipal. Didier Mousseto ko faire revivre biso biloko na kalate ya propre. Et puis ni kambo ya ba lettre. Et comme il passe pour mutacha mbongo na kata lettre ya na poste. Aningi na e MPSA na nani. Po ba bike ba ta poste ba so benda. Ba mbongo na kati. Et fournit nos salipos, nous ne passons pas à Mboka, à Tchimbo, on a la lettre et il y a la poste. Et puis, comme il peut être rapide,
Bon, le Galiboso concernant ma télécom, ma téléphonie, ma bureau de poste, et ça, c'est un dingue bon mot qui laissait changer. Na bureau de poste au téléphone, bien sûr, sur Golingi, mais tous les chats sur le téléphone, nanda. Autrefois, ils avaient qui téléphone. Na coin. Na, il faut que na coin, on a ma cabine, choses comme ça. Et si les tous les chats téléphonie nanda. Donc, tous les bandes on a matadi. D'ici deux semaines, tous les lancer en officiel. Quand on va singer, tout le monde relève les bandes, les gars, les gars. Bah pourquoi va singer, bah donc katakatango. Sikoyo, comme il y a fibre optique. Ah, d'accord. La fibre optique, tous les souterrain, réseau Nabisso. Ils ont appelé un réseau appartenant à Nabisso Standard Télécom. Tous les 5500 grammes Nabisso, de manière à ce que tout étendre notre capacité à connectivité. Donc, tous les proposer réseau mon corps redondant basé sur le MPLS au niveau national. Je peux vous dire que, si vous avez des bateau qui sont en train de se rêver déjà, si vous avez des mais ça, c'est un rêve, c'est comme une réalité. Pour nous, surtout, ça déjà, dans ma belle, ils ont déjà. Donc, tout ça, là, que, tous les téléphonie, internet, télévision, tout ça, c'est en bande. Donc, dans deux semaines, tu as lancé ce qu'on appelle, ou aligné à souscrire une offre, il y a FTTX et puis Triple Play. Ok, na bureau de poste na yé, bah application vous allez na mobile, na donc aussi galingi, attendez que éligibilité na yé, ce que si gazali, tout gros ça là on a combien de temps à s'abonner, à payer les frais d'accès na yé, et puis dans mois on a yé, à mon appui bah ta poste bah yé, bah installer les fibres optiques na yé, à zan abas service na yé, ça c'est bon pour la poste. Maintenant le baboué, tout ça tout est pour le comme la stabilisation ah ouais, mais côté la poste dans le bina nous nions surtout bienté. Et là, comme si tu as une trop sale, je suis en e-commerce. Tu as lancé dans la journée mondiale, il y a poste, tu as lancé en e-commerce. E-commerce, c'est la plateforme informatique, Internet. Tu as lancé Amazon, tu as lancé à celle en haut qui toco, à tiens en haut la présentation naie, na plateforme na biso, à tiens adresse naie maramio surtout, biso sukoyo, tous à la plateforme y a livraison, tous à les, tous on s'est préparé na partenaire, nous sommes tous en avant, wa wa, tous à peu près 200 motos électriques, 200 tricycles électriques avec ma camionnette, et tous à la sukoyo na ba entrepôt, na biso tous à ouais belé belé, donc nous t'a commandé na ligne les lots. A choisi livraison naïe, ce qui est à 4 jours, 2 jours, ou bien express, il a eu un lobby. A choisi, a fouti, a refouti là, a refouti en gros, na poste finance, a refouti en gros par MPSA, par Airtel Money, par Orange Money, à Freecell Money, et automatiquement, bisous aux yeux, en ce qui est déjà marchant en a. A chaque fois, on a un bureau dans le bisous, dans entrepôt dans le bisous, ils ont quand même un balamon. Ce qui est pas naïe, tu as eu un circuit postal, un plan d'acheminement dans le bisou, et puis tu livres calme, pépéré depuis notre de banda. Donc, pour là, nous savons que, en tout cas, tu as changé fréquence. Nous allons terminer cette émission. Vous êtes rendu compte que nous sommes venus pour acculer un homme pour qu'il nous parle. Il est venu nous vendre un rêve et une réalité. Il le fait bien. Et il faut avoir le courage de le reconnaître. Alors, pour terminer cette émission, monsieur le directeur général, vous êtes en train de faire la restructuration. Et nous ne sommes pas encore revenus là-dessus, mais je vois que ça va changer. Quels sont les... Nous allons attendre à quel type, parce que c'est une grande machine que vous mettez en place. Je me demande si vous seul, avec votre comité, vous pouvez gérer autant de défis divers, dans des secteurs aussi divers, même s'il y a convergence, mais quand même, de e-commerce à la fibre optique, de la télévision, au téléphone à la maison, c'est énorme. Alors, dans les quelques minutes qui nous restent, dites-nous effectivement comment le plan organisationnel, quelles sont les mesures que vous prenez pour que le côté organisationnel accompagne les défis du travail. Je dois dire que d'abord, je suis passionné de ce que je peux faire et j'ai commencé à entreprendre avec mes collaborateurs. Notre vision, c'est d'accompagner la vision du chef de l'État. C'est de lui rendre un réseau digne
je dirais, à la dimension de notre pays. Avoir un réseau national fixe qui couvre le 145 territoires de notre pays, qui couvre les 26 provinces de notre pays. Mais je pense que le chef de l'État le rêve. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, récemment le connaît, le rêve. Et mes deux hiérarchies, mes deux ministres, le rêvent également. Et le conseil d'administration, le PCA et les administrateurs, et je dirais même les agents et cadres, nous rêvons, et toute la population. Et je pense que nous sommes prêts à le réaliser. Mais je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Il y a toute une équipe avec moi, que ce soit les assistants qui m'aident, que ce soit les agents et cadres qui m'aident. Mais j'avoue que c'est un travail énorme, harassant. Des fois, on rentre le soir tard, mais on est passionné pour ça. On veut que notre pays reflète autre image que ce que nous avons reflété pendant longtemps dans ces secteurs. Cependant, la suite de ce que nous allons entreprendre nécessite évidemment qu'il y ait un accompagnement. Pour la restructuration, il faut qu'il y ait un accompagnement. Seul, nous sommes déjà engloués dans ce que nous sommes en train de faire au quotidien, la tête dans le guidon, mais il faut qu'il y ait sans doute un cabinet qui va accompagner la phase de la restructuration pour le plan social, pour la mise en œuvre des nouvelles structures que nous allons pouvoir créer, ainsi de suite. Nous avons établi déjà une feuille de route qui a déjà fait l'objet de pas mal de discussions au niveau du COPIREP et au niveau également du ministère des portefeuilles. Et donc, je pense que tout ça permettra à ce que nous puissions aborder les étapes d'une manière maîtrisée et non pas vaille-que-vaille qui est dans la précipitation. Mais nous voulons le faire avec beaucoup de maîtrise pour qu'il n'y ait pas de cas social, pour qu'il n'y ait pas de cercueil, n'est-ce pas, et que plutôt qu'on arrive à atterrir, à faire aboutir ces processus qui est indispensable parce qu'en réalité, si on ne fait pas la restructuration, nous allons tourner en rond. Et aujourd'hui, nous pouvons dire nous montons à 5 millions de dollars. Mais pourquoi rester à 5 millions tant que pourquoi pas faire plus? Parce que en réalité, l'opérateur des télécommunications, c'est la source de revenus. La Poste de la France, j'ai dit 220 millions, mais la Biposte emploie plus de 20 000 personnes. Rien que la Poste en Belgique, mais la Poste de la RDC. Vous savez combien nous employons les gens? Non. Moins de 400 personnes. En tout cas, nous vous remercions. Nous vous remercions pour toutes ces informations que vous avez données, mais surtout aussi pour les messages qui interpellent l'État. Et nous ne pouvons que appuyer votre demande d'être accompagné. Il faudra donc restructurer cette société, l'accompagner dans la modernité. Nous devons donc, nous aussi, en tant que peuple, nous avons droit au privilège de l'intelligence humaine. Ce qui est bien fait ailleurs, on peut aussi les vivre chez nous. Je voudrais remercier mes confrères qui ont été avec nous, Ndegozulu, Gilles Boulembi et bienvenue Bakoumania. Mais vous remercier aussi pour l'accueil que vous avez accueilli ici à la Poste. Merci. Dans des bureaux quand même bien faits, parce que à l'époque, la Poste, on y entrait les yeux et les nez fermés. Mais aujourd'hui, nous y sommes dans la joie et dans le bonheur. Je vous nous souhaite à nous tous une bonne fête de la Poste et j'espère que vous, chacun de vous, vous avez déjà utilisé cette institution de notre État. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine.